tout le monde, ici ASMR Zoé, j'espère que vous allez bien mes amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo routine du soir du moment. Comme vous avez pu le voir dans une de mes dernières vidéos, j'ai de nouveaux produits, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo routine du soir avec vous mes amis, avec vous, avant que j'aille prendre ma douche, parce que ça, si vous me le permettez, je la prendrai toute seule. Voilà, donc je vais d'abord retirer mes petits bijoux. J'ai déjà retiré mes bagues, mais j'avais oublié d'enlever mes petits bijoux. Mon joli petit collier que j'adore, qui m'a été offert. Boucles d'oreilles qui m'ont été offertes il n'y a pas si longtemps que ça. Si, que j'avais même oublié, c'est quand la vidéo était finie d'ailleurs. Vous saviez, c'était la vidéo où j'avais pas mal de choses avec des petites pierres et tout ça. Et en plus, cet abonné me parle que le collier a des effets aussi qui vont avec les pierres des boucles d'oreilles. Je fais même pas attention dans la vidéo, j'ai oublié de vous présenter les boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques, elles ont des ça apaise. Je suis pas douée pour tout ça. Voilà mes petites boucles d'oreilles. J'ai tellement maintenant de colis que j'ai peur de dire Priscilla ou machin, Bilbana ou Laurence, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'oublie tellement, et puis tellement de messages aussi de mes abonnés entre temps que je m'y perds. Donc, je préfère vous dire que j'ai reçu d'une de mes abonnées, j'espère que ça ne choquera pas les personnes qui m'ont offert des cadeaux. Mettez-vous un peu à ma place, voilà. Donc, eh bien, je vais mettre mon bandeau que j'avais eu à ma belle-fille Julie, qui me fait des oreilles de lapin. On y va, c'est parti. Que vous ne verrez pas bien puisque elle dépasse, donc les vraies pendantes comme chaussettes. Tiens, oui, peut-être faire ça, ça vous les voyez un peu tout de même. Alors on va s'attaquer d'abord, on va d'abord attaquer les yeux. Donc, je vais prendre un petit couteau. Les yeux avec le pur bleuet d'Yves Rocher. C'est parti. Je suis épuisée les amis. Vraiment ce qui s'appelle épuisée. Bon, faut dire que aujourd'hui, à l'heure où je filme, j'ai juste fait deux petites vidéos. Et aujourd'hui, ça ne fait seulement qu'une semaine que j'ai été opérée. Donc c'est certainement ça aussi. Je n'ai hâte que d'une seule chose, c'est après de prendre une bonne douche. Une bonne douche. D'aller enfiler un de mes nouveaux pyjamas. Ah, et après demain. Aujourd'hui, avec mon mari, nous allons manger de la purée avec de la sauce. Une petite sauce au fromage et un crousti de poulet. En fait, ma maman
Donc ça fait des chicons gratin et il restait énormément de sauce au fromage. Cette sauce que ma maman nous a faite est divine, les amis, divine. Je dis à mon mari, il nous reste de la purée, il nous reste beaucoup de sauce au fromage. Je vais mettre ça de côté et pour demain nous sortir deux petits croustilles de poulet. Et hop, comme ça, l'affaire est dans le plat. Pas de gaspillage. En plus, quand c'est tellement bon, j'aime pas gaspiller. Et comme j'aime tout ce que ma maman me fait. Voilà. Alors, je vais ensuite, avant de me laver convenablement le visage, utiliser mon démaquillant que j'utilise pour l'instant Nivea. C'est soit de l'Nivea ou celui d'Yves Rocher. Pour l'instant, c'est Nivea. Dans les senteurs Nivea. Et là, je vais reprendre donc un autre coteau et me retirer le plus gros. J'ai du fond de teint, j'ai un peu de blush, un peu de bronzer. Léger, c'est vrai, mais bon, j'en ai quand même. J'aime bien retirer l'excédent, en fait, le plus gros de ce que j'ai pu installer comme matière sur le visage. Une semaine que je m'étais plus maquillée. Et c'est pas pour autant que je me démaquille. Parce que même si je ne me maquille pas, je me démaquille. Enfin, je fais mes routines, quoi. C'est ça que je veux dire. Regardez. Quand même, hein. Quand même. Alors, je vais Wiggins, un soin visage, un savon pour le visage que j'avais déjà reçu, il me semble, au tout début de ma box et que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est celui que j'utilise pour le moment. Donc j'utilise ma petite brosse coréenne, vietnamienne. Ouh, j'en ai mis beaucoup. J'ai la main légère. Et je vais donc me savonner convenablement le visage pour enlever vraiment à ce moment-là tout. Enfin, tout. Quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. On le sait bien. J'en ai vraiment mis beaucoup. Quand les flacons commencent à se vider comme ça, on oublie qu'ils sont sur la fin. On a tendance à appuyer fort. Et alors, c'est comme ça qu'on en met de trop. Wiggins, c'est une très bonne marque. Enfin, moi, j'aime bien ce savon. On se sent tout de suite bien nettoyé, mais je ne m'arrête pas là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'en mets les deux bazar. Et alors, je vais repasser avec ma petite éponge Conjac. Sont les mêmes rituels. Oh, je commence à avoir faim, les amis.
Je commence à avoir faim, je commence à être fatiguée. Je suis fatiguée depuis le matin. Je n'ai pas passé une bonne nuit, je dois vous avouer. Ça vous fait une belle jambe que je vous dise ça maintenant. Vous savez bien que vous avez toujours mes vidéos. Ce que je l'ai fait, c'est vraiment rare quand je vous sors la vidéo que je vous fais du jour. Quoique celle avec mes achats, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui, quoi, que je vous ai sortie. Et il y en a plusieurs qui se demandaient quand est-ce que mes parents allaient recevoir leur nouvelle voiture. Vous êtes formidable. Mes parents devaient recevoir une nouvelle voiture. Eh bien, on va la chercher demain. Il faut que maman sonne à la dame qui s'est occupée de mes parents, parce que en raison du Covid, il y aura bien sûr une certaine heure. Accompagnons bien évidemment mes parents pour aller chercher leur nouvelle acquisition. Je suis contente pour eux, en plus elle est super jolie. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas fait hier. Ça tombe bien. Pourtant je ne pensais vraiment pas vous faire une vidéo routine aujourd'hui. Mais je fais généralement une fois par semaine un masque pour le visage. Un gommage et un masque, le de soie. Et j'ai choisi donc pour cette fois-ci blanc crème granité de douche Blue Lagoon. Toutes les petites peaux mortes. Désolée si je ne vous regarde pas tout le temps. Ça, faut pas le faire trop souvent. C'est juste une ou deux fois par semaine un gommage, et tout dépend aussi l'état de votre peau. Si vous voyez que ça fait qu'en le faisant deux fois semaine, que vous voyez que ça irrite la peau, que c'est mieux une fois semaine, repasser une fois semaine. Moi généralement je ne le fais qu'une fois semaine.
Par contre, un masque, vous pouvez le faire deux fois semaine si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, un masque. Mais c'est le gommage quand même, ça retire les petites peaux mortes, donc ça irrite quelque part un peu la peau, surtout quand on a la peau sensible. Moi, je fais partie des gens qui ont la peau sensible. Je pense que le gommage est enlevé. Tapotant tout doucement. Difficile à ouvrir ce masque. La rosée, qui sent donc, c'est un stick. En effet, c'est un stick. C'est génial parce que c'est un stick. C'est à l'argile blanche, mais je n'arrivais pas à enlever. En fait, il y avait bien un opercule. Un opercule, enfin, qu'est-ce que je veux dire? Un truc en plastique. Alors, ils disent de l'appliquer généreusement. Voilà, en couche épaisse. En couche épaisse, donc moi j'y vais. C'est la première fois que je m'en sers, hein, parce que j'ai fait ma vidéo avec vous tantôt, quand j'arrivais pas à l'ouvrir. Mais ça sent bon, les amis, comme ça sent bon. Je vous explique même pas. Un pur bonheur. On verra ce que ça fera à la peau. En tout cas, j'aime le principe. Le système du stick là. Ils disent en couche épaisse, donc moi j'ai vu. Hein. Quand on n'a plus, on la rachète. Ensuite, j'ai oublié de faire le gommage de mes lèvres. Tant pis, maintenant c'est mort. C'est trop tard, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous en parler. Et j'adore ce gommage. C'est un gommage, mais exprès pour les lèvres que j'avais reçu. De toute façon, il faut que je le laisse poser 5 minutes. Que j'avais reçu donc par Laurence du Canada. C'est comme un. Oui, on prend vraiment ce qu'on a besoin avec une petite palette. Et alors, c'est à la menthe. Et il va super bien, c'est un gommage que j'adore faire, que je fais une à deux fois par semaine, mais si c'est trop tard, je. Pendant que le masque pose, vous allez me dire, est-ce que je serais de mal à faire un. Allez, on y va. Je me fais par la même occasion. Et il en faut pas beaucoup. Il y a des petits grains que même si vous les avalez, c'est pas mauvais. Donc ça vient du Canada. Je reviens sur mon masque donc que je n'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure, enfin, dans une de mes vidéos précédentes, la rosée. Écoutez, le principe me plaît. J'aime bien le fait que ce soit un stick, on n'en met pas partout, on prend vraiment ce dont on a besoin. Maintenant, j'espère qu'il sera efficace. Et s'il est efficace, ben, je vous le dirai. Et pourquoi pas le racheter à ce moment-là. Voilà, en tout cas, il sent super bon. Ça ne sent qu'un goût dans ma salle de bain, les amis. Ça sent la rose. Voilà. Et oui. Donc demain, on va chercher la voiture de mes parents.
sûr, on n'en aura pas pour longtemps. Toutes ces mesures, on doit faire attention, machin. Et puis de toute façon, moi, je suis épuisée, donc faut qu'on aura fait ça, à mon avis, quand je rentre à la maison, je vais me reposer. On a dur à se remettre hein, quand même d'une anesthésie. C'est vrai. J'ai fait 2 vidéos, c'est comme si j'avais, je sais pas, comme si j'avais été travailler toute une journée. Alors que bon, c'est pas du tout comparable. Enfin, j'ai fait 2 vidéos et des montages quand même. Voilà. Vous pensez que ça fait 5 minutes? En tout cas, pour être blanc, c'est bien l'argile blanche. Vous m'aurez vu quand même de pas mal de couleurs, hein, je pense, depuis le début. En tout cas, vous m'avez vu orange. Mon mari m'a vu verte il n'y a pas longtemps. Je pense qu'à l'argile verte, je ne vous l'ai pas fait. Mais mon mari m'a vu verte il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc on va maintenant enlever aussi le surplus. Je pense que ce sera bon. Il nous restera à hydrater notre peau. Alors, et donc utiliser donc la crème Clarins pour le soir. Crème de nuit. Voilà. À l'aide de ma petite spatule, j'en prends un peu. Mettre un petit peu comme ça. On va voir avant d'en mettre davantage ce que dit la texture, puisque c'est la première fois que je l'utilise. Elle est assez fluide, donc je pense que j'en ai mis assez. Voilà le front, les tempes, les joues. On évite le contour des yeux parce qu'on ira peut-être juste en mettre un petit peu pour le coup. On ira comme après mettre la crème contour des yeux, donc on ne va pas trop près. Je perds beaucoup de cils pour le moment. Dites-moi si en automne vous perdiez des cils aussi comme les cheveux. Je perds beaucoup de cils. Tous les jours j'en ai bien. Quand j'étais jeune, on disait qu'on devait faire un vœu. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Si on le dit encore. Voilà, donc Clarins, on essaye, c'est la première fois. On verra. Et allez.
langue, Clarence. Aussi pour le contour des yeux. Bien, Cindy. Et j'en prends une toute petite noisette. Était un peu radin. Là par contre, j'ai été trop généreuse. Enfin, de toute façon, avec le temps, je saurai comment doser cette petite pompe. On tapote tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bon, j'en ai mis un peu trop, je vous l'accorde. Je n'avais pas mis assez au début. Après, j'ai voulu régulariser, mais j'ai mis une trop grosse noisette. Mais bon, trop, c'est pas grave. Il faudra que je trouve le juste milieu. Mais au moins. Bon, ce sont des produits. On ne sait pas dire tout de suite si, bien sûr, c'est efficace ou pas. Et puis, je vous l'ai déjà dit, moi, les crèmes pour les yeux, il me le faut. C'est indispensable pour moi. Si je ne l'ai pas, ça m'embête. Il me le faut dans ma routine, mais je ne vois pas de différence. Un autre petit baume à lèvres. J'avais eu aussi de Laurence du Canada. Il va super bien. Il hydrate à merveille. J'adore ce petit baume à lèvres qui vient tout droit du Canada. Celui-là qui vient du Canada, donc une pub, j'ai pas mis. Ah si, j'ai mes lunettes. Non, ce n'est pas celui de Laurent, celui-là c'est d'une Blissim, c'est un produit français. Oh Cindy, c'est les petits prodiges. Oui, le baume, les petits prodiges. 100% made in France. C'est tout moi. Celui de Laurence du Canada, il est à la cerise et il est dans mon sac et c'est en stick. Oh, je confonds tout. La vieillesse, vous savez. C'est pas que je veux vous mentir. Ne croyez surtout pas ça. C'est que je m'en mêle et puis dans tous mes produits. Enfin voilà. Ah ben il est déjà l'heure que je vous laisse, hein, les amis. On va aller prendre ma petite douche. N'ayez pas peur, je mets un petit bonnet de bain. Comme ça, tout ça reste intact. Et voilà. Mais ça, je vais la prendre toute seule, ma petite douche. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Bye. À bientôt.